Bonjour, vous êtes le droit ici de faire cette limite qui est très facile à faire. C'est par vous-même, vous allez voir. Sans plus tarder, nous allons commencer. Pour calculer cette limite, il faut tout simplement remplacer x par 0. Si on remplace x par 0, on a sinus de 0 qui vaut 0. On a ici racine carrée de 4 moins 2 qui vaut 0. Le tout sur 0. Donc, on a une forme indéterminée. Il nous faut donc lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, puisqu'on a des racines. Et puisque la limite tend déjà vers 0, donc il nous faudra transformer cette expression pour espérer voir les limites usuelles, quoi. Tout simplement. Maintenant, nous allons conjuguer. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 0. On va utiliser l'expression conjuguée. On va utiliser l'expression conjuguée de ça qui est égale à 4. Plus sinus x plus 2, et on va limiter au numérateur et au dénominateur 4 plus sinus x plus 2. Et maintenant, ça va nous donner la limite lorsqu'il s'en va 0 de racine carrée de 4 plus sinus x. Le tout au carré moins 2 au carré, n'est-ce pas? Sur x, racine carrée de 4 plus sinus x plus 2, n'est-ce pas? Et maintenant, si on élève au carré, c'est la même chose que la limite lorsque x tend vers 0. Et si on élève la racine, le tout au carré, donc on aura 4 plus sinus x moins 4. Sur x, racine carrée de 4 plus sinus x plus 2, tout simplement. Et maintenant, on simplifie les 4 là. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x, racine carrée de 4 plus sinus x plus 2. Et maintenant, nous allons essayer de faire apparaître une limite usuelle. On aura la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x fois 1 sur racine carrée de 4 plus sinus x plus 2. Tout simplement, on a tout simplement écrit notre expression sous forme de produit de deux nombres. Maintenant, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x vaut 1. Et ici, si on remplace x par 0, on a sinus de 0 qui vaut 0. Et racine carrée de 4 vaut 2, donc tout ceci va tendre vers donc 1 quart, et ça va tendre vers 1, donc on aura 1 fois 1 quart qui est égal à 1 quart, donc la limite, parce que x tend vers 0 de racine carrée de 4 plus sinus x moins 2 sur x égale à 1 quart. Merci de vous abonner et de laisser un commentaire si vous avez des questions. Et de laisser un pouce bleu et de partager aussi avec vos amis. Merci.